passionnée de danse contemporaine, cette jeune femme native du Fennois a passé plus de 10 ans à sillonner l'Europe en intégrant les plus grandes écoles. Aujourd'hui danseuse professionnelle, Aminata a choisi de faire un retour aux sources pour partager sa passion et monter des projets avec les artistes locaux. Sophie Guébel l'a rencontrée au centre de danse André Chan, là où tout a commencé. On l'écoute. J'ai quitté la Polynésie à l'âge de 12 ans. J'étais élève au centre de danse André Chan et je suis partie faire 10 ans d'études en Europe, dans 3 écoles différentes, au Conservatoire national supérieur de Paris, où j'ai été graduée, j'ai obtenu mon diplôme. J'ai commencé par la danse classique pendant 3 ans dans une école professionnelle. Ensuite, j'ai fait 4 ans de contemporain, donc à Paris au conservatoire. Et ensuite, je me suis spécialisée en danse contemporaine internationale en Belgique, où j'ai continué à travailler avec des artistes du monde entier. J'ai toujours dansé, donc en fait j'ai commencé depuis que je suis petite et c'est quelque chose qui est collé à moi. Donc y a pas de ma vie n'existe pas sans la danse spécialement. En fait j'adore bouger, j'adore prendre l'espace, j'adore être sur scène, j'adore travailler. Ça a été comme une évidence. J'ai aussi pour projet de monter une création avec des danseurs professionnels traditionnels d'ici. Je suis également engagée dans une compagnie internationale Rosas en Belgique, dans laquelle je tourne. J'ai également un solo avec l'artiste Judith Sanchez Ruiz à Fleur de Peau que je commence à tourner. Donc j'ai une activité en Europe, une activité à Tahiti et je fais des va-et-vient. Je ramène des artistes de là-bas, je viens ici travailler, je retourne là-bas. Je suis un peu déplacée par la danse. Et sachez qu'Aminata Diallo et son compagnon, un acrobate professionnel, organisent un stage au centre de danse André Chan du 26 au 31 octobre.